bonsoir tout le monde, salam le bnet. Bon, pour ce soir, je vais faire du thé à la menthe. Eh oui, vu que j'ai pas de gaz pour l'instant, je vais faire mon thé à la menthe au Thermomix. Voilà, il est là. Bon, maintenant, il me demande de mettre 900 g d'eau, mais je vais mettre la moitié de la quantité. Du coup, je vais mettre 450. Voilà. Ouais, en direct. Hop. Allez, je t'ai compté. Donc là, après, je clique sur suivant. Là, il dit insérer le couvercle et le gobelet doseur. Donc, le couvercle, le bnet, c'est celui-là. Hop. Et le gobelet doseur, c'est le. Voilà. Suivant. Donc, pendant 8 minutes, température 100, aux vitesses cuillère. Voilà. On est de base la recette à coquille d'eau de net. On a le temps de garder 5 minutes de cuillère. Et oui, tout est blanc. Yes. On va cliquer sur suivant. Là, on a écolé de mettre le thé dans le panier cuisant. On peut le rincer sous un filet d'eau froide. Donc, on va tirer le panier cuisant. Et je le rince avec de l'eau froide. Le thé, on va avec une cuillère. Mais là, je vais mettre donc le moitié. Voilà. Hop. Et je le rince sous l'eau froide. Pour le sucre, il me demande 60 g, un ahaté, donc 30 g. On va cliquer sur suivant. Pour les 25 g de menthe, donc j'ai mis les 12 g de menthe. Donc là, il y a le sucre et la menthe. Suivant, donc, je mets mon panier de cuisson. Voilà. Suivant, j'ai inséré le couvercle gobelet doseur. Donc, à demain. Le couvercle et le gobelet doseur. Voilà. Suivant, donc là, vitesse 1, 10 minutes à température 90 degrés. Le bnet qui dit la recette à coquille d'eau, tu cliques sur suivant. Tout le chiffre automatiquement la température, le temps et la vitesse aussi. Il nous reste seconde, le temps qu'il se refroidit. C'est ma mektouba. Mais rahak nana, ma nahki lkomch. Suivant, donc retirer le panier de cuisson et servir aussi. Tout, voilà. Voilà. Le panier de cuisson nahiwa. La spatule. Voilà. Côté tiers, vous êtes le bnet.